Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Mélissa, j'ai été coiffeuse pendant quelques années et aujourd'hui on va définir votre type de cheveux. Est-ce que vous êtes un A, est-ce que vous êtes 2B, est-ce que vous êtes 3C? Vous ne le savez certainement pas et on va essayer de déterminer ensemble par rapport à donc la méthode de typologie de cheveux d'André Walker, le coiffeur des stars, qui a mis en place un tableau pour pouvoir exactement savoir votre type de cheveux. Mais c'est vraiment très important parce que maintenant, pour avoir une routine capillaire adaptée à votre cheveu, il faut vraiment, avec tous les produits qu'on a sur le marché, connaître l'exactitude de votre type de cheveux. Donc, on va voir ensemble d'une manière très ludique en fait, avec des photos comme ça et des photos comme ça, on va découvrir exactement quel type de cheveux correspond à votre cheveu. Donc, je vous laisse découvrir tout ça. On commence maintenant. Avant de commencer à énumérer vraiment toutes les catégories une par une, ce que je vous propose, si jamais vous ne voulez pas regarder les cheveux qui ne vous correspondent pas, je vous mets ici donc le tableau et vous allez pouvoir vous référer. N'hésitez pas à aller au chapitre, je vais chapitrer comme ça, type 1, type 2, type 3, type 4. Pour vous aider, pour essayer de trouver votre chapitre, alors donc le cheveu 1, c'est le cheveu raide, le cheveu numéro 2, c'est le cheveu ondulé, le cheveu 3, c'est le cheveu frisé et le cheveu 4, c'est le cheveu crépus. Donc voilà pour vous référencer si vous n'arrivez pas vraiment par rapport aux images, pour pouvoir trouver plus ou moins quel est votre mouvement sur votre cheveu. Et ça peut être ludique d'essayer de trouver justement votre typologie de cheveux. Et une fois que vous l'avez trouvé, vous me la notez en commentaire pour voir justement un petit peu ce qui ressort le plus de type de cheveux dans les personnes qui regardent cette vidéo. On va commencer par le type de cheveux numéro 1. Donc ça va être le cheveu raide. Voilà, le cheveu raide, 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 c'est-à-dire que vous allez avoir normalement un cheveu vraiment brillant. Pourquoi d'ailleurs, très important, c'est qu'en fait, un cheveu qui est raide est beaucoup plus brillant qu'un cheveu qui est frisé ou qui est crépus. On s'explique pourquoi. Parce qu'en fait, le sébum que vous produisez de votre racine, donc de votre cuir chevelu, va descendre en fait tout simplement plus facilement jusqu'à vos longueurs. Donc ça va permettre d'avoir un cheveu beaucoup plus brillant parce que ce sébum va apporter de la brillance à votre cheveu. Néanmoins, vous pouvez tout à fait, même si vous avez des cheveux ondulés ou frisés, apporter de la brillance avec un élément extérieur. Donc c'est pour ça que c'est pas parce que vous avez les cheveux longs frisés que vous ne pouvez pas avoir les cheveux brillants. Mais en tout cas, un cheveu raide et épais et qui justement produit énormément de sébum va avoir tendance à être beaucoup plus brillant qu'un cheveu frisé ou qu'un cheveu crépus. Donc dans la catégorie des cheveux raides, on va avoir le 1A, le 1B et le 1C. Donc le premier, on va avoir le 1A, c'est le cheveu raide mais fin. Donc ça va être un cheveu qui va vraiment être très très raide, il va être très fin. Du coup souvent le cheveu fin quand même s'en mêle plus facilement qu'un cheveu épais ou moyen. Voilà, donc le 1A, c'est que vous avez le cheveu vraiment très très raide et relativement quand même fin. Et en général, les cheveux fins, ils ont quand même un aspect un peu plus translucide. Donc souvent quand vous allez être très blonde, alors ce n'est pas une généralité hein, parce qu'après il y a la génétique, tout ça, mais quand même quand vous allez être blonde, donc votre cheveu il est un peu plus translucide, il a tendance à être beaucoup plus fin. C'est rare d'avoir des cheveux très très épais et d'avoir une chevelure très claire. Donc ça c'est pour le cheveu 1A. Pour vous aider un petit peu en fait, pour essayer de vous situer, André Walker a également, étant donné qu'il a coiffé apparemment un petit peu toutes les stars, a fait un tableau en fait avec les personnalités qu'il a coiffées et du coup il a pu répertorier le type de cheveux. Et c'est vrai que des fois de pouvoir justement s'identifier à quelqu'un que l'on a vu, enfin une personnalité publique, ça permet de se rendre compte un petit peu plus. Donc pour le 1A, voilà, je vous mets le tableau ici. Donc le 1A, vous voyez, c'est quand même des cheveux clairs. C'est pas non plus des cheveux translucides blonds, mais c'est des cheveux clairs. Donc, elle a les cheveux effectivement très très raides. Donc, voilà ce qui correspond pour le tableau d'André Walker au type 1A. Donc, pour le 1B, donc ça va être des cheveux qui vont être épais à fin, soit l'un soit l'autre, mais on reste sur du cheveu fin. Donc, c'est un cheveu qui va vraiment avoir une épaisseur moyenne en fait. Donc, ici, je vous remets le tableau donc d'André Walker. Donc, on va avoir une personnalité avec des origines asiatiques. C'est vrai qu'en général, quand on a des origines asiatiques, on a tendance à avoir un beau cheveu, bien épais, bien raide. Moi, j'ai une de mes meilleures amies qui est d'origine vietnamienne et elle a des cheveux magnifiques. Donc, elle a des cheveux vraiment très épais, très rudes. Bon, après, c'est compliqué pour lui faire des boucles. Mais voilà. Donc, voilà la référence pour le 1B. Si vous vous reconnaissez dans ce type de cheveux, c'est entre guillemets, voilà, le cheveu ni fin ni épais, mais qui est raide. Ensuite, on va avoir le 1C. Donc, ça va être un cheveu qui est
quand même relativement très épais. Donc là, je vous mets la photo de la personnalité qui est dans ce tableau. Donc on a Kim Kardashian. Donc effectivement, quand on la voit, elle a tendance à avoir une chevelure vraiment très très dense et très épaisse. Elle a un cheveu qui est quand même qui est très très foncé. Voilà pour le 1A, le 1B et le 1C. Donc maintenant, on va passer au type 2. Le type 2, c'est les cheveux ondulés. Donc le cheveu ondulé, en fait, il se situe entre le cheveu frisé et le cheveu raide. Il n'a pas vraiment de forme précise, c'est-à-dire qu'il ne va pas vraiment avoir de S prédéfini. Mais par contre, il va avoir une certaine ondulation. Donc voilà, on peut aussi des fois ne pas avoir la même ondulation sur toute la tête. Donc c'est un peu le cheveu qui est très embêtant. C'est mon type de cheveux. Il va onduler à certains endroits, mais il ne va pas onduler à d'autres. Donc on n'a pas vraiment des vraies boucles définies. Et on se trouve vraiment entre donc, le cheveu raide et le cheveu frisé. Donc dans ce type de cheveux ondulés, donc on va avoir le. Donc vous avez compris le principe, le 2A. Donc le 2A, c'est souvent des cheveux fins et qui ne vont pas vraiment être frisés, pas vraiment être ondulés. Pas vraiment être raide, comme je vous expliquais, ça va plutôt être un cheveu qui va être à certains endroits un peu ondulé, à d'autres pas du tout, qui n'a pas vraiment de forme définie, mais en tout cas c'est un cheveu qui est fin. Donc ce n'est pas un cheveu épais. Donc on est sur le 2A, c'est voilà, des légères ondulations à certains endroits, mais sur un cheveu fin et peut-être souvent même sur un cheveu un peu clair. C'est un peu semblable en fait à des boucles que vous avez fait la veille et quand vous vous réveillez le lendemain, les boucles sont retombées sur la longueur. Donc c'est un peu cet effet wavy mais un peu passé. Donc voilà, pour vous situer, c'est un peu ce genre d'ondulation dans ce genre-là. Ensuite, vous allez avoir le type de cheveux 2B. Donc le 2B, ça va être des ondulations quand même un peu plus en S. Donc je vous montre ici quand même le tableau avec les ondulations. Ça va être un S un peu plus défini et ça va apporter un petit peu plus de mouvement et un petit peu plus d'épaisseur aux cheveux. Donc on va avoir un cheveu quand même peut-être un peu plus épais avec des boucles un peu plus dessinées, des ondulations un peu plus dessinées et ça va donner un petit peu plus d'épaisseur à votre cheveu. Alors ensuite, on va avoir le 2C. Donc là, c'est qu'on va avoir quand même des ondulations bien définies avec beaucoup d'épaisseur, on va avoir un cheveu effet avec des belles boucles et honnêtement l'ondulation du cheveu 2C n'a rien à envier à un cheveu bouclé parce qu'on va vraiment avoir des belles ondulations avec de la belle épaisseur et un cheveu bien épais qui tient bien. C'est vraiment du beau cheveu, c'est quand on voit, on a l'impression que c'est un beau cheveu bien épais, bien consistant avec des très belles ondulations. Donc ça c'est le cheveu 2C. Et la caractéristique c'est vraiment qu'on va avoir quand même une belle épaisseur. Alors maintenant, on va passer au type 3. Le type 3, c'est le cheveu bouclé et frisé. Donc là, en fait, on va pas avoir des ondulations qui vont être une succession de courbes. En fait, on va avoir un cheveu qui présente des boucles qui s'enroulent sur elles-mêmes, en fait, comme un espèce d'accordéon que si on va tirer, qu'on va lâcher, elles vont s'enrouler automatiquement sur elles-mêmes. Ils sont quand même relativement souvent épais, ce type de cheveux. C'est rare que ce soit des cheveux fins. Il peut y avoir aussi des cheveux fins. On va voir tout de suite le descriptif, donc, pour les cheveux bouclés et frisés. Donc, le type numéro 3A, en fait, ça va être des boucles qui sont détendues, en fait. Elles ne sont pas serrées, c'est-à-dire qu'on va vraiment voir la boucle qui ne va pas forcément remonter en accordéon, qui va vraiment rester sur la longueur. Ce sont des boucles, en fait, qui sont relativement larges. Donc, on va vraiment avoir de la boucle large qui ne va pas forcément remonter, mais qui va être détendue sur toute la longueur. En général, ça fait partie des cheveux qui, justement, ont le cheveu le plus lourd. Parce que justement, la boucle va être lourde, va retomber. On va avoir le sébum qui va avoir peut-être un petit peu plus de facilité à descendre qu'un cheveu très, très frisé. Donc, en général, ça fait partie vraiment des cheveux les plus lourds. Donc, parce que là, comme ils sont épais, la lourdeur va allonger le cheveu. Ce qui fait qu'on va avoir des boucles qui ne remontent pas, mais qui tombent sur le bas. Donc, ça, c'est pour le 3A. Maintenant, on va voir le 3B. Donc ça va être un cheveu qui va avoir une boucle forcément beaucoup plus dessinée, qui forme déjà un S à la racine. Donc la boucle part à la racine. Donc je vais vous mettre la photo ici. Alors je vous mets aussi, comme d'habitude, hein, à chaque fois je vous mets la personnalité qui se réfère justement à cette boucle. Donc voilà, on va avoir un peu plus défini que le 3A, donc un peu plus resserré. Et du coup, un peu plus resserré sur la racine, on va avoir un S qui se forme dès la racine en fait du cheveu. Et bien entendu, on va avoir un cheveu quand même relativement volumineux encore là, parce que justement, comme on remonte avec un S qui se fait à la racine, ça va donner du volume à vos cheveux.
Alors là, en fait, pour le 3C, on va regrouper les deux premiers. Donc, on va avoir des cheveux qui sont quand même volumineux avec un S qui se dessine vraiment bien dès la racine sur toute la longueur de votre cheveu, qui sont relativement épais et qui ont tendance à remonter un petit peu plus que les deux précédents. Donc, je vous montre la personnalité qui a été identifiée par André Walker et je vous montre aussi voilà, le type de boucle sur le curseur. Donc voilà, si vous vous retrouvez dans ce type de cheveux bouclés, c'est que vous êtes un 3C. Ensuite, on va avoir donc le type de cheveux 4. Alors, le type de cheveux 4, en général, c'est un type de cheveux afro. Donc, c'est une texture vraiment bien propre à de la génétique. Donc, on ne peut pas avoir, si on a deux cheveux raides, on va difficilement avoir un enfant qui a des cheveux crépus. Donc voilà, c'est vraiment, ça appartient à un certain type de population. Donc chaque type de cheveux pousse en fait en spirale, en formant des boucles, donnant en fait à l'ensemble du cheveu une certaine densité. Et en général, on va avoir un cheveu qui est tellement en accordéon, tellement frisé, qui remonte et qui va avoir plus du volume sur la hauteur. Donc ça, c'est pour la catégorie 4. Je vous mets donc le tableau avec le type au niveau de la forme du cheveu, le type de boucle et de frisure que vous pouvez avoir sur un style de type 4. Ensuite, donc, on va énumérer sur ces types 4. On va avoir le type 4A. Donc, ce sont des cheveux qui donc, forment des spirales et des spirales vraiment à la racine. Donc, je vous mets la photo, c'est un petit peu plus facile. Quand on a des boucles, c'est quand même plus facile d'avoir les photos. Donc, on va avoir des boucles qui sont très serrées dès la racine en forme de spirale. Donc voilà la personnalité sur le tableau qui correspond pour André Walker au type donc 4A. Donc on voit quand même qu'on voit un petit peu plus la boucle dessinée par rapport au 4B ou au 4C. Donc ça permet de voir un petit peu la différence entre donc, celui dont on va parler après, le 4B. Donc le cheveu 4B en fait, contrairement aux idées préconçues en fait, le cheveu frisé n'est pas forcément épais. Et là pour le coup, sur le 4B, la caractéristique c'est que le cheveu va être relativement fin. Donc vous allez avoir un cheveu très frisé et crépus mais fin. Donc c'est vraiment ce qui différencie en fait des autres textures de cheveux sur le frisé crépus, c'est qu'il va être beaucoup plus fin que le 4A ou le 4C. Et là en fait, là où la différence qu'il va y avoir, c'est qu'on ne fait plus avec les boucles un S, mais on fait un Z. Voilà la différence entre le S et le Z. Et quand vous avez ce type de cheveux et qui remonte vraiment du coup vers le haut, c'est que vous avez un cheveu crépus. On va avoir là aussi, donc du coup, pas vraiment l'impression de voir une boucle en fait. Donc comme ça va être un Z, on va pas avoir une boucle vraiment prédéfinie. Donc c'est ce qui va permettre de vraiment caractériser ce type de cheveux. Ce sont souvent des cheveux qui sont très très fragiles, dont il faut vraiment prendre très soin. C'est vrai que souvent, les personnes qui ont des cheveux afro comme ça, ils vont avoir tendance à beaucoup mettre d'huile, de beaucoup l'enrober pour justement apporter de la texture et éviter qu'ils cassent. Maintenant, on va parler du dernier, donc du 4C, donc du petit dernier de la liste. Donc là, on va avoir un cheveu vraiment crépus. Et là, on a des cheveux qui forment quand même un S bien défini. Donc je vous remets la photo. Donc voilà, si vous appartenez à ce type de cheveux, que vous avez un cheveu quand même très fin avec une boucle très définie et vraiment très frisé, vous appartenez au 4B. Pourquoi c'est important de découvrir son réel type de cheveux? Parce qu'en fait, une routine capillaire va vraiment s'alimenter autour de ce type de cheveux. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la même routine si on a un cheveu 2A ou si on a un cheveu 3B. Et c'est vraiment très important d'identifier justement son type de cheveux exact pour avoir des beaux cheveux, pour avoir vraiment une routine capillaire adaptée à l'exactitude de votre type de cheveux. Donc voilà, on a terminé cette vidéo. J'ai essayé d'être concise et vraiment vous aider au maximum pour pouvoir trouver quel est votre type de cheveux. Je vous laisse de nouveau me mettre en commentaire le type de cheveux que vous avez découvert. Et si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec une photo pour que je puisse justement vous aider dans la recherche de votre type de cheveux. Je vous laisse liker la vidéo comme d'habitude si elle vous a plu. Et pour m'encourager, parce que vous savez que quand vous likez les vidéos ou que vous les partagez, forcément, ça nous fait remonter dans l'algorithme difficile de YouTube. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo en parlant coiffure ou autre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.